Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Donc je vous partage la story de Diaz qui tacle et répond aux attaques de Manon et Julien Tanti. Donc ces deux-là étaient passés chez Samzira et avaient taclé Diaz et Laurent. Du coup, je vous laisse écouter Diaz. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'ai envie de rire. Attendez, je vais calmer mon fou rire et je reviens. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'ai envie de rire. Attendez, je vais calmer mon fou rire et je reviens. Bon, alors, je viens de recevoir plusieurs fois l'interview de Manon et Julien, alias les fratés. et du coup, je ne comprenais pas pourquoi des personnes m'envoyaient ce lien. Je vais pas dire plein, c'est pas vrai, juste quelques-unes, mais je me suis demandé pourquoi on m'envoyait ça. Donc forcément, je suis partie voir et je vois qu'ils parlent de moi et de la GLC Family. Bon, par où commencer? Parce que c'est légèrement hilarant. Mais on va faire les choses par les faits. D'après eux, en ce moment, on n'entend plus parler de nous, tout le monde s'en fout de nous et personne nous suit et du coup, bah, on va avoir moins de pubs, plus d'argent. Bon. Déjà, premièrement, pour votre information personnelle, je vous invite à appeler mon agence ou qui vous voulez pour comprendre que déjà, je prends le triple de votre salaire, premièrement. Mais tout salaire mérite travail, qui mérite travail, mérite résultat. Les marques, si elles payent, c'est parce qu'elles ont des retours. Mais c'est pas grave, on va faire mieux. Vu qu'en ce moment, personne ne nous calcule, vu qu'il n'y a pas de polémique, et nous marchons que d'après eux avec des polémiques, du coup, on va faire un comparatif très rapide des dernières photos Instagram et des dernières statistiques Snapchat. C'est ce qui semble logique, parce que les Snapchat, enfin les vues sur Snap et les likes sur les photos, on est bien d'accord que c'est vous, c'est le public. D'après eux, tout le monde s'en carre le cul. Allons-y. Bon, suite à ces petits montages dont je n'ai pas perdu le temps à faire, mais bon, mon assistant me l'a gentiment fait. Ah oui, parce que j'ai un assistant, oui. Deux, ils sont là, j'en ai deux. Donc, je vais pouvoir m'exprimer parce que visiblement, j'ai quand même plus la parole que vous, on dirait. Ah non, je suis folle, j'avais oublié les stats Snap, allons-y. Bon, vu que c'est les stats d'il y a un mois, donc du coup j'ai mis les miennes d'il y a un mois. D'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi on n'a pas le même Snapchat, c'est parce que comme elle, c'est une grande star, elle n'est pas certifiée, comme moi, je suis une grosse merde, je suis certifiée. Ça, c'est une logique. Rentrons dans le vif du sujet maintenant. Donc, dans la logique de Monsieur Tanti, quand tu ne fais pas énormément de télé, tu es personne. Mais ils ont fait combien de télé, eux? Ils ont fait quoi comme télé, eux? Mais ils ont fait quoi comme télé, eux? Déjà, chérie, tout le monde ne rêve pas de faire 25 292 872 millions de milliers de saisons des Marseillais. Il serait un petit peu temps de laisser ta retraite aux plus jeunes. Mais effectivement, j'ai fait moins de télé que vous. Mon mari, on en a fait qu'une. Et en n'en faisant qu'une, il a quand même 2 millions d'abonnés sur Instagram. Et puis moi, en n'en faisant que 3-4, on m'a quand même proposé ma propre émission. Ah oui, je sais, ah oui, c'est vrai. Oui, parce que sur les Marseillais, vous êtes la meilleure chaîne. Non, chérie, tu t'es trompée. Vous êtes la meilleure audience de télé-réalité sur W9. Maintenant, on va pas quand même dire que TF1 et donc TFX, hein, qui appartient à TF1, sont des chaînes moins bien que la vôtre. On va peut-être pas déconner. Ensuite, moi, je fais des grands plateaux, comme par exemple le plateau de Jean-Luc Reichmann. Visiblement, vous n'avez jamais été invité. Pourtant, vous avez fait 9 années de télé-réalité. Donc, comment dire d'après Julien, on a fait peu d'émissions, nous sommes personne. Parce qu'il faut faire plein de télé pour être quelqu'un. Non, parce que du coup, ça veut dire que les Vineurs ne sont pas des gens connus, les YouTubeurs ne sont pas des gens connus, les Instagrammeurs ne sont pas des gens connus, les mannequins ne sont pas des gens connus, les rappeurs, les ci, les là, les mimi, nanana. Non, je suis désolée, mon chaton, il n'y a pas tout le monde qui rêve d'être une star icône de télé-réalité. C'est même pas ça. C'est qu'en fait, tout simplement, on prend pas la même direction. Comme par exemple, moi, je fais le plateau de Jean Creshman à côté de Monsieur Pernaud. Et puis toi, tu... Instagram. Non, toi, tu fais quoi? Ah oui! Oui, tu fais le... Samedi. Parlons
de billionnaire. Et vu, comme il a dit, Laurent, c'était juste un copain et Nicolas, c'était un vrai ami. Bon, déjà, je tiens à vous dire qu'avant que Laurent prenne Julien pour faire les fratés sur billionnaire, Nicolas Lezina lui avait déjà proposé, mais ce n'était pas possible. Et que Julien préférait aller où il y avait plus d'argent, ce qui semble logique, professionnellement parlant. Mais surtout qu'en plus, pour que Lezina puisse sortir son site, Laurent avait le droit d'avoir un pourcentage sur son site que, en fait, Laurent a fini par refuser parce que Laurent n'avait pas envie de se rabaisser pour de l'argent et du coup a refusé de prendre des parts de Nico Lezina pour le laisser poster. Mais bref, c'est une autre histoire. Donc, Julien a fait ses pubs il travaillait pour Billionaire. Et au début, ça se passait plutôt bien. Julien gagnait son argent, c'était mérité. Enfin, il faisait son taf, quoi. Et au bout d'un moment, bah, comme vous l'avez vu, Billionaire, ça a commencé à stagner. Et surtout, Julien rapportait plus rien. Manon, on n'en parle pas parce que Manon, du coup, elle faisait les pubs juste pour son chéri, parce qu'on la prenait pas du tout, parce que Manon vaut zéro. Mais non, je m'emballe là. Je suis en train de devenir un petit peu peste. On va se calmer. Et du coup, un jour, on a dit à Julien qu'il fallait arrêter. Et effectivement, du coup, on devait lui verser son salaire. Et en fait, c'est un peu ramé parce que nous, entre-temps, on était en vacances, etc. Et que du coup, quand on est revenu, les associés de Laurent, ceux qui s'occupent des paiements, etc., se sont occupés. Bref. Et après, il est parti chez Nico Lezina. Mais bizarrement, il dit que nous, on lui dit qu'eux veulent nous ressembler, pas nous ressembler, mais eux, ils adorent ça depuis longtemps. Quand même, Laurent, il fait billionnaire depuis des nombreuses années maintenant. Et juste l'année dernière, beaucoup de candidats de télé-réalité se sont révélés pronostiqueurs de foot. Parce que moi, je savais pas que, par exemple, Mbappé qui joue sur le terrain, si demain il voit Jay-Z en concert, il se dit, en fait, demain, j'ai envie d'être Jay-Z. Mais non, mais sinon, on va pas dire qu'il fait pareil. Non. Et ça fait longtemps que vous aimez ça. Je veux bien le comprendre, que c'est une passion pour le foot, c'est totalement vrai. Je suis pas menteuse. Julien, c'est quelqu'un de passionné pour le foot. Par contre, dire que t'as toujours voulu que Laurent, ça fait 5 ans, concrètement, qu'il fait billionnaire, et après, vous êtes tous devenus pronostiqueurs de foot parce que vous avez vu sa vie et son ascension et ça vous a fait un peu kiffer. On va en arrêter là. Alors, votre histoire de « on a voulu faire les Marseillais à Dubaï, ça les a dérangés, ils ont dit qu'on les copiait, je sais pas quoi », pas du tout, en fait, on s'en contrefou que vous fassiez les Marseillais à Dubaï ou en Bretagne, même si j'avoue que la Bretagne, ça vous ressemblerait plus, on s'en fout royal. Faut dire ce qui est, en fait. On s'en fout ou royal. Qu'est-ce que ça peut nous foutre, en fait? Qu'est-ce que ça va changer que vous fassiez à Dubaï ou en Bretagne? Vu qu'en plus votre émission cartonne, qu'est-ce que je m'en fous? En fait, j'arrive pas du tout à comprendre. Bon, aussi, apparemment, j'aurais dit que je m'étais embrouillée avec Manon parce qu'elle m'avait pas voulu venir me voir lors de ses dernières vacances, ce qui est absolument faux. Alors, actuellement, je suis pas à Dubaï, mais quand je rentre, je peux vous promettre de les montrer si elle dit que je mens. Elle m'envoyait des messages pour se voir et c'est moi qui ne répondais pas. Et au final, elle m'a fait la gueule parce que je ne répondais pas. Voilà. Ça, c'est la différence. Mais encore une fois, c'était pour des petites raisons, comme elle dit, des petites raisons qui faisaient qu'on avait des différends. Mais rien d'incroyable. C'est juste que mon mari a décidé de s'écarter de plein de personnes qui, en fait, ne voulaient pas être réellement amis et qui voulaient juste gratter quelque chose sur lui. Voilà. Des infos de comment il fait son business et ci et ça. Mais Laurent, comment à 24 ans, t'as autant d'argent? Mais Laurent, parce que la vie de Laurent, ça, je peux vous garantir, par contre, ils ont tous fait 9 ans de télé, mais ils ont pas la vie de Laurent. Et puis, c'est vraiment dommage parce que du coup, comme on est vraiment personne sans histoire, eh ben Sam Zira, il a décidé d'appeler votre interview, les Tantis ou je sais pas quoi, Jazz Laurent, la JLC Family. Mais pourquoi si on est personne, ils mettent notre nom dans votre titre d'interview? Personnellement, si ma chaîne faisait une interview de moi et qu'ils mettaient votre nom, je serais très très fâchée. Je serais très très fâchée, donc quand même, mais c'est juste parce que Sam Zira, il sait qu'en écrivant ça, les gens vont cliquer. Après, vous savez, je pourrais durer des heures. Si vous voulez, je peux vous faire même montrer des retours de marques qui écrivent, la différence entre Manon et moi. Donc, vous voyez, moi, j'ai pas envie de faire des différences, des polémiques. Qui fait quoi? Je vous dis, vous avez vu, j'ai même pas besoin de parler. Si vous voulez, je peux vous montrer les retours de marques. Ça vous fait kiffer vraiment. Manon, c'est pas Jazz aujourd'hui. Et pourquoi? C'est frustrant que du coup, des plus petits que vous vous ont dépassé, parce que nous, du coup, on n'a fait que 3 télés, Laurent, il en a fait qu'une, et du coup, c'est super relou. C'est ce que nous, on aime les gens. Et aussi, pour finir, quand vous parlez de mon émission, n'oubliez pas un truc. Vous êtes 15 000 à faire la pub pour les Marseillais, comme vous dites, ça fait 9 ans que les Marseillais continuent, donc forcément, les gens sont habitués aux Marseillais et kiffent. Et c'est normal. Je peux comprendre que les jeunes adorent regarder les Marseillais sans aucun souci. Et nous, bien sûr, on arrive, et du coup, bah, forcément, on n'est que 3. Jazz, Laurent, Sissika.
pour faire monter la DLC Family. Et effectivement, pour revenir à ce que Manon disait, la seule chose qui est réelle, c'est que oui, je les ai croisés une soirée l'été dernier en boîte à Monaco et je tirais la gueule. Et quand ils m'ont demandé pourquoi, je leur ai dit je comprends pas en fait pourquoi, quand je vous ai demandé de partager la DLC Family, vous l'avez pas fait alors que... Si vous voulez, je peux vous montrer plusieurs screens de plusieurs personnes qui regardaient la DLC en fond. Ils regardaient en fond, mais ils ne pouvaient pas partager. Et ça m'avait saoulé parce qu'en fait, en l'occurrence, à cette époque-là, comme on le disait, Laurent faisait gagner beaucoup d'argent aussi à Julien. Donc, c'était pas très amical, je trouvais. Et chaîne, pas chaîne, je ne comprends pas. Justement, on n'est pas sur la même chaîne et nous ne faisons pas la même émission. Donc, moi, sans aucun souci, je pouvais faire de la pub pour les Marseillais si on m'avait demandé. Il a fait qu'elle s'est jamais aussi sentie mieux que Chen. Il a arrivé. Ah oui, oui. Non, mais après, on va pas rentrer dans ce terrain-là. Mais en fait, je sais pas, pour toi, Amélie, tu peux partager ça, non? Je veux dire, je vous donne un exemple. Booba, il partage bien les sons de Maes. Maes, il partage bien les sons de NASA. NASA, il partage bien les sons de Franglish. Pourtant, en gros, c'est des chanteurs. Et même s'ils sont, chacun, ils ont leur bif, ils s'entraident, il n'y a pas de problème. Donc en fait, c'est vrai que ça m'avait étonné. Du coup, je suis à la gueule. Mais sachez que, comment elle a répondu sur la vidéo en mode, mais on peut pas, mais n'importe quoi, mais je sais pas. C'est pas comme ça qu'elle m'a dit en face, hein, je vous le dis. Hein. Ils étaient à maintenant, désolé les fratés, toute la soirée, Julien était très mal. Il s'est excusé au moins 10 fois auprès de Laurent en nous expliquant qu'il allait demander, c'est vrai, et qu'on lui avait répondu que non. Donc là, pour le coup, je me suis dit, au final, c'est pas leur faute. Ce soir-là même, enfin, c'était une concurrence, Nicolo Zina qui avait essayé de... Bon bref, je vais même pas rentrer dans les polémiques parce que sinon j'aurais trop de ragots à vous raconter. Mais en fait, c'est juste pour vous dire, conclusion, on s'en fiche en fait. Pour finir ce débat, du coup, c'est Manon qui va gagner des vues aujourd'hui. Qui... Vite, hein. Vite. Fais tes posts juste après ta story, comme ça, les marques vont être contentes. Pour une fois, ça changera un petit peu. Et puis, c'est bien dommage d'en arriver là, en fait, parce que je vais vous dire un truc. Moi, à chaque fois que vous m'avez demandé des histoires avec les uns et avec les autres, je ne réponds jamais parce que, en fait, je veux pas. D'ailleurs, Samzira nous a demandé plusieurs fois de faire une interview. Il a même demandé à Cécica, pour vous dire. Et en fait, c'est nous qui refusons. On n'a pas envie. Et puis, tout le monde nous demande Manon et Julien et truc. Mais en fait, non, parce que, on est des humains, on n'a pas besoin de tacler comme ça tout le temps. Mais. Moi, ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est qu'on ose dire que, bon, au final, de toute façon, les gens sont là. La GLC, vous savez, vous êtes dans le cœur. Et puis, on n'a pas besoin de faire de comparaison, en fait. Vous le voyez sur vos réseaux, sur nos réseaux. Je veux dire, on a moins d'abonnés sur Instagram que vous. Ah oui, parce qu'on n'en achète pas. Et on a plus de likes et plus de vues sur Snap que vous. Pourtant, on n'est pas dans les polémiques. C'est vous qui l'avez dit. Hein. En ce moment, on n'est pas dans les polémiques. Du coup, en ce moment, personne ne sait ce qu'on fait de notre vie. Bizarre. Peut-être que ce soir, j'aurai 2 millions de vues. Vous faites trop rire. C'est dommage d'être comme ça, haineux, et en fait, de vouloir dénigrer les autres pour se faire briller, en fait. Je comprends pas le délire, en fait. Mais là, on kiffe notre petite life, on partage tout avec notre communauté, on essaye de trouver des trucs drôles à faire. D'ailleurs, c'est peut-être que vous n'avez pas fait encore un snap commun des Marseillais. Voilà, on veut juste kiffer notre vie, on fait rire notre communauté, on les aime de ouf, ils kiffent notre famille, on est authentique, on est vrai. Nous, on a tout dans notre famille, on a des Renois, on a les Arabes, on a les Blancs, on a les Portugais. Ma petite sœur, c'est une chanteuse, on monte sur des scènes, on fait plein de trucs en fait, on fait plein de choses qu'on n'a pas le temps en fait de réfléchir à ce que vous faites vous, et puis c'est dommage. Et puis en plus, nous, on est des vrais frères et sœurs, hein, y a personne qui couche avec personne, on kiffe notre vie entre nous. Et puis bon, pour finir, vous voyez, je vais vous donner un petit scoop, les amis. Vous savez, vous l'avez tous vu, c'est pas moi qui vous le balance, que Maëva et Cécica se voyaient de temps en temps. Sachez que nous, on s'en fout réel, ça nous fait plaisir. Maëva, elle, c'est une fille très gentille. Et puis, la vie de Cécica, sa vie privée, ça nous regarde absolument pas. Et puis, on juge pas les gens, nous. Mais eux, ils ont fait bordel. Sachez qu'ils ont fait bordel à Maëva. Ils l'ont interdit de voir Cécica, même leur producteur. Mais quand même, enfin... De s'afficher avec Cécica, parce qu'ils ont continué à se voir. Mais why? Mais pourquoi? J'ai pas compris. Non, parce qu'ils se continuent quand même à se voir, mais ils ont pas besoin de demander votre... Ils doivent vous demander votre autorisation pour se voir, du coup. Mais sinon, c'est nous qui sommes persécutés par vous. Il me semblerait que vous êtes plutôt au courant de ce qu'on fait. Hein. Visiblement, vous savez ce qu'on fait pour dire on sait même pas où ils sont en ce moment. Pourtant, la semaine dernière, vous saviez bien ce qu'on faisait. Allez, sur ce... Et sachez une chose,
Je fais pas ces vidéos juste pour faire des polémiques. Je fais ces vidéos parce que j'en ai légèrement plein le cul. Là, je parle à ma communauté, je parle plus à eux. Ça me plaît pas toujours de faire ça, mais je sais aussi que on me le reproche souvent. C'est Jazz, avant tu nous disais quand t'étais pas contente, tu répondais aux choses. Et en fait, parce qu'on partageait tout avec vous, et c'est vrai que ces derniers temps, j'avais arrêté parce que je m'étais dit ça sert à rien. Mais de temps en temps, je pense qu'il faut quand même remettre les points sur les i et les pendules à l'heure, parce qu'en fait, je vais pas laisser ces personnes-là parler directement de moi en mon nom, parce que quand ils font des sous-entendus, je réponds pas. Quand ils font des pics, je réponds pas. Mais là, un petit peu, là, c'est quand même une vidéo très directe avec mon nom, le nom de ma famille. Ils parlent de nous. Clairement, j'allais pas rester à faire ma gueule, surtout qu'ils ont tort. Et puis c'est dommage. Moi, je vous le redis, c'est dommage d'en arriver là, parce que moi, en fait, j'ai envie de partager que les trucs qui vous font kiffer avec nous, tu vois, genre notre vie, notre façon de vivre, les trucs qu'on fait, les séances dédicaces, les concerts de master, les jets, notre maison, notre vie, nos enfants, notre famille, nos disputes, nos emmerdes, tout. Mais pas ce genre de truc là, en fait, parce que bah déjà, je sais pas pourquoi on parle encore de moi, parce que comme ils disent, bah pourquoi, enfin, on n'est pas dans la même chaîne, pas dans la même prod, pas dans la même agence. Pourquoi alors ITV, elle porte mon nom, en fait. Donc du coup, bah aujourd'hui, j'ai décidé de pas fermer ma gueule sur ce sujet-là. Malheureusement, ça tombe sur eux, ça aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre si c'était quelqu'un d'autre. Mais les quelqu'un d'autre font jamais de trucs directement. Donc oui, parce qu'ils sont pas bêtes, comme moi, je ne suis pas bête. Je veux dire, à un moment donné, ça sert à rien d'aller chercher des poux aux gens, là où t'en as pas besoin forcément. Donc aujourd'hui, ils m'ont cherché des poux, bah ils m'ont trouvé. Et puis voilà. Et puis en plus de ça, sachez que je prends tout au deuxième degré parce que je les trouve tellement ridicules d'avoir fait ça. Non, mais c'est surtout d'avoir dit que eux ils sont là et moi je suis là parce que moi, eux ils ont fait 25 milliards de 12 000 télés. Alors que pour ça, on a été appelé. Wow. C'est fatigant quand même. Hein. C'est quand même très fatigant. Sur ce, la GLC, la fille inintéressante, personne ne sait ce qu'elle fait, doit aller se préparer pour aller dîner avec mon ami Jean-Luc. Oui. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Et puis d'ailleurs, j'aurai des petites choses à vous dire encore, autre que ce sujet-là. C'est bon, il est bâclé. Ouais, merci, au revoir. Et puis voilà. Mon mari, même pas il va s'exprimer, donc n'attendez pas à ce que Laurent réplique parce que ça le fait trop rire. Il a pas le temps pour ça, mais pas du tout. Sachez qu'il a peut-être la moitié de leur âge et puis il a deux fois leur vie, donc c'est quand même inquiétant. Et puis surtout que bah Laurent joue pas dans la cour comme ça en fait. Et puis bon, on va pas sortir les doses hein, parce que il est bien plus petit, mais quand on avait besoin qu'on protège les autres, il était là à courir. Hein. Mais bref, c'est pas grave. Je vous kiffe parce que là, Jazz la pestouille est en train d'arriver et que c'est pas bon et que j'ai pas envie et de continuer. On va récupérer le téléphone à Dubaï parce que ça peut être trop dangereux. Oui, on va éviter d'ouvrir ce fameux portable à Dubaï. Ça serait mieux pour tout le monde, je pense. Voilà, Jessie, excusez-moi pour ceux qui détestent les polémiques, pour ceux qui me trouvent nul quand je fais ça. Vous avez bien raison, c'est complètement nul. Mais là, je l'ai fait avec le cœur, hein, avec envie. Parce que bon. Faut peut-être pas exagérer, hein. Si la souris elle vient mordre le chat, le chat doit réagir quand même.